Les exploits d'un chevalier solitaire dans un monde dangereux. Le chevalier et sa monture. Un héros des temps modernes. Dernier recours des innocents, des sans-espoir, victimes d'un monde cruel et impitoyable. Bonsoir à tous et à toutes, c'est Alex The Blade Cat qui vous retrouve pour un nouvel épisode des exploits d'un chat noir solitaire dans un monde dangereux. Toujours sur Minecraft, je continue ma session minage, parce que voilà, j'ai envie de miner. On va... Bah, pour l'instant, ouais, ça pousse pas des masses, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre à fondre le fer qu'on avait trouvé. Tac. Et puis... Hop, le charbon. Et puis on va aller à l'extérieur. Oh, regardez-moi ça, ce soleil. Magnifique. On va aller à l'extérieur, rejoindre la mine qu'on avait débutée là-bas. Oula, il y a des bestioles qui sont mortes. Je fais gaffe, mais normalement, c'est sécurisé. Voilà. La mine qui est là-bas. Qui est pas si loin hein, que ça hein. Donc on va essayer de rejoindre les galeries qu'on avait creusées dans le dernier épisode. Alors comment je vais m'y prendre ben c'est simple, on va... Tiens, il y a de l'eau au fond. Ah non, un petit bug. On va creuser là dans cette direction et puis après eh ben on descendra. Est-ce que c'est... Là c'est pareil là. Est-ce que je vais dans la bonne direction? Alors, ce qu'on va faire... J'ai pas envie de tricher, d'utiliser le F3. On va essayer de rester... Oula. RP. Et j'ai entendu un drôle de bruit. Encore un... Encore un slime. Il est où? Souris. Ah il est là. Oh punaise. C'est un gros morceau. Tu vas te calmer toi hein. Il en faut des... Oula. Ils les multiplient. Apparemment ils savent pas grimper les blocs. Enfin si, c'est trop pentu pour eux. Allez, barrez-vous là, faites trop de boucans. Oh la vache, mais il y en a plein, il y en a plein, mais regardez ça, il y en a plein. Je vais descendre, je vais tous les buter. Oula, il y a un ours pas loin. Oh, le massacre! Le massacre de gelée. Bon, j'ai récupéré plein de boules gluantes. Ah, ça colle aux doigts. Il y a un ours qui traîne. Oula, oui, on va pas s'y frotter. Je sais pas si... Ouais, ça va me servir, je pense, les boules. Ça sert tout le temps, les boules. Du coup, où est-ce que j'avais commencé ma mine? Par là. Par là, je crois. Alors, bouton.
ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va temporairement creuser un trou par là. On va mettre de la terre à la place, ça fera un excellent point de repère. Et ce qu'on va se faire, c'est tracer une ligne. Donc on va partir d'ici. Voilà, je vais pas faire ça tout le temps, je vais juste suivre cette ligne directrice qui normalement voilà comme ça, et on va avancer tout droit. Hop. Voilà, donc ça c'est la ligne. On va faire des pointillés quoi, voilà. Donc je me mets dos à là. Et ouais, ça marche. Du tonnerre. Du tonnerre. Alors, il y a plein de poules. Il y a plein de poules, il y a des ours aussi. Alors, on va continuer d'avancer comme ça. Ouais, c'est bon. Pointillé. Oui, bonjour les poules. De chez Castorama. Hop, comme ça, on continue tout droit. Et ouais, ça ne... Ça... Il faut creuser dans l'autre direction. Eh ben, qu'à cela ne tienne. Qu'à cela ne tienne. Alors, du coup, j'ai perdu la ligne. C'est ici. Oula ! Oh, l'ours, il a buté Tails ! Scandale ! Assassin ! Ouais. Faut porter plainte, hein, Tails. Pour coups et blessures. Et meurtre. Accessoirement. Alors, normalement, si je me trompe pas, on est par là. Pas du tout. On est à côté. Voilà. Je vais tracer le reste de la ligne. Hop. Donc là, je suis bien en face. Et là, je n'arrive pas en face. Non, c'était bon ce que j'avais fait. Ah oui, non, mais là, on est au cube près. Hein, puisque, si vous vous souvenez bien, j'avais creusé ma galerie. C'était un cube d'épaisseur. Hein. Donc, c'est là. C'est là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de décalage. Ouais, alors attends, on va partir d'ici, on va compter. J'espère qu'on va pas se foirer. Donc 1, 2, allez, 3, 4, 5, 6. 7 8 c'est ça hein. On va vérifier. Alors en comptant la ligne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 donc 1 2 4, 5, 6, 7, 8, 9. Normalement, je dis bien normalement, si on creuse, on devrait déboucher sur la ligne de terre. Alors, on n'y voit rien. Hop, j'y remédie. Ça, c'est du gravier. Tiens, ça marche plus, ça. Alors. Je devrais être à la surface, là. Ouais, c'est ça. On est pile poil. Cool. On va fermer tout ça. Et à partir d'ici, du coup, eh ben, on va creuser. Par contre, je sais plus à quelle profondeur j'étais descendu.
c'est pas grave. On finira bien par... s'y retrouver. Déjà, niveau coordonnées, on est bon. Après, il faut rejoindre le point exact où j'avais fini. Déjà, je trouve du charbon. Le charbon, c'est utile. C'est un des minerais de base. C'est vrai que... ouais, je vais bientôt être en manque de nourriture. C'est pour ça que j'ai fait reproduire les bestioles. Et il va falloir que je les tue. Malheureusement. À l'abattoir! Ding 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 ding! Hop. Et en parlant de manger, j'ai faim. Manger du pain. Voilà. Poursuivons. Oh, et oh, arrêtez de gueuler, là, les cerfs. C'est bon. Le bruit qu'ils font, en plus. Hop. Alors, oui, je sais plus du coup, hein. Oula. À quelle profondeur j'étais descendu. Mais normalement, on devrait tomber sur les trucs en pierre que j'avais fait. Au pire, on débouchera sur la faille. Et si on regarde en haut ou en bas, ah tiens, du fer. Ouais, allez, on le mine. Et si on regarde en haut ou en bas, on devrait voir le... Oula, bruit flippant. On devrait voir la cobble que j'ai posée afin de me protéger justement des bestioles qui habitent cette faille. Il y a énormément de gravier par ici. Ah oh, bah tiens déjà, hop. Ah bah voilà. Vous voyez, qu'est-ce que je vous disais? Notre... notre pierre est là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une torche, voilà, pour éviter mauvaise rencontre. Et en fait, je découvre avec stupeur que j'avais creusé bien profondément. Du coup, ce qu'on va se faire, c'est qu'on va essayer de rallier ça. Ah bah tiens, par là, hop. On va creuser, hop. Et quand on tournera à gauche, on tombera sur notre galerie. Ensuite, eh ben, il suffira de rejoindre les galeries que j'avais creusées auparavant là-bas. Oui, je sais, c'est très très compliqué, mais dans ma tête, c'est clair et net. Hein. C'est clair qu'il faut, en tout cas, que j'arrête d'aller dehors. Voilà. Eh ben, c'est bien ça. Hop. Il y a même du charbon ici. Il y a du charbon. C'est très clair, hein. Il faut juste que j'arrête d'aller dehors pour rejoindre cette fameuse mine. Et puis de toute façon, comme je vous l'ai dit, s'il faut, on s'en fera une autre de mine. Hein. C'est juste que là-bas, j'avais laissé de la lave et du diamant. Non pas que le diamant ait une quelconque importance, hein, ce que je vous ai dit, hein, la priorité, c'est l'or. De l'or, j'en avais pas encore trouvé. Ça commence un petit peu à me désespérer. Mais c'est pas grave, on garde espoir. On finira par en trouver de l'or. Au pire, on évitera de se friter avec les loups-garous. Hein. Ou alors, on les tuera dans leur version humaine. Ça, au moins, ils risquent pas de se transformer. Bon, niveau charbon, on est bien. Hein. J'ai récupéré un peu d'or. Oui, donc là je descends pour rejoindre ma galerie. Tac tac, voilà. Eh ben cool, c'est cool ça. Oui, alors du coup, ouais, j'avais descendu super profondément. Super profond, pardon. je dis n'importe quoi. On va récupérer ce fer. J'avais dit que j'ai arrêté avec le fer, mais bon. Voilà. Alors,
Maintenant, ce qu'il faut, c'est que j'arrive à retourner sur mes pas, c'est-à-dire là-bas. C'est-à-dire là-bas, ce qui fait que il faut que je creuse dans cette direction. Alors, attends. J'étais pas... Ouais, j'étais pas arrivé... Ouais, voilà, la galerie est là. La galerie principale est là. Et la nuit est tombée. Donc, on va boucher ça. Pour éviter de se faire embêter. Donc, la galerie est là. Donc, on avait creusé là. Hein. Il y a un gros décalage. On descend. On est en deux, on est au-dessus, donc, de là. Voilà. Donc, à partir d'ici, il faudrait que je creuse 9 dans cette direction-là pour arriver sur ma galerie principale. Peu importe la profondeur, je sais que ici, je suis moins profond que là-bas. Donc, ce qu'on va faire à partir d'ici, c'est creuser par là. En espérant, si je ne me trompe pas, si ma théorie se vérifie, si je n'ai pas fait d'erreur, en espérant tomber sur notre galerie. Et là, c'est un fail. Je dois être au-dessus ou en dessous. C'est pas grave. J'entends de la lave. Ce qui tente à prouver qu'on n'est pas loin non plus de la lave. On va essayer par là, de toute façon. Ça fera tout plein de galeries annexes. C'est pas un souci. Ah bah tiens, du fer. Je le ramasse. Bonne réserve de fer. Le fer, c'est la vie. Voilà. Alors. Là, c'est pareil, là. Attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Ouais non, j'arrive pas à retomber sur ma... C'est très dur de taper à un endroit précis. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Non, ça marche pas. Ça ne marche pas. Comment je vais faire? Comment vais-je faire? Pas non plus que je me perde. Hein. Oula. Chute de FPS. Ah bah, on va essayer de l'autre côté. Sachant que... Il faut prendre en compte la hauteur. Oh là là, mais c'est bon là, le jeu. Arrête de friser. Donc... On avait déjà des galeries ici. Ouais, seulement je crois que je suis en dessous. Ouais, 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 ouais. Clairement. Clairement, clairement, clairement. Oh, au pire, on fera des détours pour revenir ici. Hein. Déjà, la mission est réussie concernant le fait de ne plus aller dehors. J'avais creusé plein de galeries dans cette direction. Ah oui, là, je me rappelle. C'est par là qu'ils sont les diamants. Hein. On va pas aller les chercher maintenant. Mais... Bon, écoutez, on va creuser 9 à partir d'ici. Je pense que là, on réussira à tomber là. Mais... Autrement, c'est pas très grave. Vous aurez compris le principe, de toute façon. Oh. Ah bah voilà. J'ai réussi, j'ai rallié ici. Ouais. Si je remonte par là, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que je retourne à la maison? Ah sûrement. Sûrement. C'est par là la maison, ouais. C'est par là la maison. J'ai réussi.
Donc là, voilà, là c'est le fameux détour. Là, on va marquer l'endroit pour éviter de se paumer. C'est pas là. C'est là. Non. Non. Vous voyez, hein. Je me perds. C'est là. C'est là. Wouhou. Alors. Donc. Si en creusant dans cette direction, j'arrive à retomber dessus. Sachant que... il faudra descendre. Donc je vais descendre un peu. Je vais descendre un petit peu. Oh. J'ai bien fait de me faire pas mal de pioches en avance. Hein. Voilà, comme ça. Et en creusant tout droit, je devrais atteindre là. Nickel, perfetto. Perfetto. Voilà, comme ça, on évite de se faire mal. Et voilà. Et on rejoint notre galerie. Donc, pour symboliser le fait que c'est par là la maison, je mets hop, torche, comme ça, en forme de flèche. Ensuite, c'est là-haut, c'est par là-haut la maison. Ouais, donc ça, à la limite, je bouche. Et voilà. Voilà. On a illuminé l'endroit. Et la maison dans cette direction. Et là, tu vas voir gros fail. Non, c'est bon. Cool! Je me suis pas loupé! Voilà, on n'aura plus besoin d'aller dehors, que ce soit en plein jour ou en pleine nuit. On pourra aller n'importe quand dans cette mine. À partir de... Oui, il y a toujours ces galeries là avec ces slimes qui doivent être dans une caverne. Ou alors ils sont à la surface, je sais pas, je les ai pas vus. Donc ouais, on est bon. On peut aller à la mine depuis notre maison. Et le jour s'est levé, j'ai passé toute la nuit à bosser là-dessus. Eh bien, il y a plein de cochons. Ouais. Alors les pointillés, bah, ouais, je vais aller les enlever. Je vais aller les enlever parce que ouais, ça fait moche. C'était juste histoire de... Encore de la poudre à canon. Salut les dindons, salut les chevaux et les zèbres. Vous allez bien? Glou 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 glou. Donnez-moi vos œufs les poules. Faire une petite omelette. Oh, une vache. J'ai bien envie de la tuer pour la peine. Non. Donc j'ai bouché. On n'aura pas de mauvaise surprise. Du moins, pas avant d'être arrivé aux grottes. Hein. Vous l'avez vu, il y a une faille qu'il faudra explorer. Si j'ai coupé du bois, ce serait pas une mauvaise idée. Toi, tu vas y passer. Mais t'en fais pas. Si tu me donnes des pouces... Des pouces verts. Blague de merde. Je pourrais te replanter. En théorie. Oh, il y a des chèvres là-bas. Une petite biquette. On en avait une qui squattait le... Le machin, là, le jardin. Avec le blé et tout ça là. Elle est partie. Et elle n'arrêtait pas de me bouffer mes trucs là. Si j'avais le malheur de laisser des graines à terre, elle les bouffait. Ça bouffe n'importe quoi les chèvres. Hein.
Oula, le temps file, le temps file. Je vais vous laisser là, je vais attendre que cet arbre daigne me donner des pousses afin de replanter ici. Autrement, je sais pas si j'en ai dans mon coffre, c'est pas grave. Je vous remercie donc d'avoir regardé cet épisode. Je vous retrouve bientôt pour de prochaines aventures. Allez, à plus !